Aujourd'hui, le 25 mai 2023, c'est la journée de présentation matériel professionnel. C'est Abbott qui organise ça. Donc Abbott, c'est la filiale professionnelle de Studio Sport. Donc il y a pas mal de marques qui vont être présentes, DJI, Parrot, Hexadrone, Dronavia. Donc pour vraiment présenter du matériel dédié à l'activité et aux missions professionnelles, il y a déjà des drones en l'air, ça a l'air sympa. Il y a un petit peu de vent, je vais essayer de partager toute cette journée avec vous. C'est parti! Alors en fait, tous les ans, on organise un Abbott Tour. Ouais. Donc l'idée, c'est de réunir un peu les clients et aussi les fournisseurs pour présenter toute la gamme de produits drones professionnels. Donc drones, caméras, mais aussi logiciels. On a aussi des solutions accessoires, les parachutes. Là, on a le Orion qui tourne au-dessus de nos têtes en permanence, donc les drones filaires. L'idée, c'est, il n'y a qu'en démonstration, on voit vraiment bien les drones et les activités, donc c'est de réunir un peu tout le monde, d'échanger aussi sur les besoins de chacun et de découvrir tous les produits disponibles. Là, il y a plusieurs dates, vous faites un petit circuit. Exactement, on essaye de changer de ville un petit peu tous les ans. Donc là, on démarre aujourd'hui, donc on est à Bretigny sur la base aérienne qui est formidable, qui nous laisse beaucoup de place pour faire nos tests. On sera le 1er juin à Rennes. On ira ensuite le 15 juin, on fera ça à notre siège social à Isneville, près de Rouen. Ça permet aussi là, de découvrir les locaux, toutes les équipes, encore plus de produits et de solutions, parce qu'il y a aussi nos collègues de Studio Sport qui sont là-bas. Ensuite, on rejoindra aussi potentiellement l'école militaire à Paris avec un partenaire SI2P, et puis près de Grenoble aussi le 4 juillet. Donc voilà, il y a pas mal de dates qui s'enchaînent jusqu'à l'été. Tout ça, on peut le retrouver sur votre site. Exactement, tout est en ligne. Il faut nous suivre sur LinkedIn, Facebook. On met les dates très régulièrement. Vous vous inscrivez, il y a un petit lien gratuit. Vous inscrivez, comme ça, on prévoit un petit peu l'organisation de la journée. Et donc, on le précise, ces journées sont gratuites et ouvertes à tous les participants. C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde, tous les professionnels idéalement, voilà. Et on répond aux besoins de tout le monde et voilà, et on vous attend très nombreux. Elister, on est une boîte française spécialisée dans le drone filaire et les systèmes de drone filaire. On est basé à Lyon et on est leader européen et dans le top 3 mondial des systèmes filaires des drones. Donc concrètement, tu as une base, ça alimente ton drone, donc tu peux voler de manière illimitée. Absolument. Ce qu'il faut savoir sur les stations filaires, c'est que les stations ne possèdent pas de batterie à l'intérieur, mais sont raccordées soit au secteur ou sur groupe électrogène. Globalement, pour alimenter un drone, il faut 3 kW avec un courant assez stable. Du coup, on a vraiment la nécessité de se connecter à une source d'énergie suffisamment puissante. Okay. Voilà. La station filaire, elle, va faire l'interface entre l'apport d'énergie et le drone grâce à un module qui se connecte au niveau des batteries. C'est les batteries d'origine ou elles nécessitent une modification ou c'est vos batteries à vous ? Ce sont les batteries d'origine, notamment ici on peut voir sur la partie du DJI, on voit les batteries. Ce qui va changer, c'est la vis d'adaptation qu'on fournit. Et puis, donc, ce module, à savoir qu'on peut tout à fait voler avec le module en place sans le câble. Donc, si par exemple, on a un besoin de poser le drone et de faire une mission en drone libre, on peut déconnecter ici le câble et le drone part avec son module sans aucun problème. Globalement, avec les stations, on alimente quasiment tout type de drone 6S ou 12S. De la taille des M300 par exemple. On fait aussi du M30, voilà. Mais on accepte toutes les plateformes. Pas forcément que du DJI. Absolument pas, okay. on a intégré à ce jour plus de 60 drones à travers le monde.
Donc avec des dronistes français, européens et américains. Et en hauteur, du coup, combien on peut monter avec ? Avec la safety, on a une bobine de cap de 100 mètres. Avec la lighty, 70 mètres. D'accord. Et là, en termes de vent, le poids du câble, ça se ressent aujourd'hui ? Par exemple, on a quand même un vent assez fort. L'avantage, c'est qu'avec le câble, donc on a un apport d'énergie qui est constant. Donc on va permettre au drone de résister beaucoup plus au vent. Comme ici, on voit avec notre système Orion, qui est un système propriétaire, on résiste à des vents de 70 km/h sans aucun problème. Mais c'est vrai que l'apport d'énergie en permanence fait que le drone tolère mieux les vents forts. Et du coup, en termes de poids, à 100 mètres, on sait quantifier à peu près le poids du câble ? Oui, tout à fait. On a des bobines de câble à 16 grammes par mètre, 20 grammes par mètre ou 25 grammes par mètre, en fonction de l'énergie qu'on doit faire passer dedans. Donc globalement, pour le M300, à 100 mètres, on est à 2 kg de charge utile. Okay. Et tu peux rappeler à tout le monde l'avantage justement d'avoir un drone alimenté, mais surtout relié au sol, au niveau de la réglementation, c'est différent. Donc on est toujours sur une réglementation, on va dire, standard sur l'utilisation du drone, donc demande d'autorisation de vol, etc. Mais effectivement, au niveau de la DGAC et de tous les organes décisionnels, on a le gros avantage parce qu'on est en captif. Donc ça sécurise beaucoup les décideurs. Là, notre Orion qui est en vol est capable de voler 50 heures en non-stop. Et donc on est vraiment dédié aux opérations de surveillance et de sécurité. Est-ce que tu peux nous dire dans quel domaine ça peut être appliqué et quels clients en fait viennent vous voir pour votre solution ? Tout à fait. Elister, on adresse principalement la défense et les forces de sécurité intérieure. Ça représente 90% de nos clients. Donc c'est de la surveillance ? C'est de la surveillance, donc mission de renseignement, surveillance d'événements, sécurisation de points sensibles, de manifestations. Et puis on a aussi des entreprises de sécurité privée qui utilisent nos stations pour faire de la surveillance de sites sensibles. Est-ce qu'il faut un opérateur continuellement lorsque le drone vole ? Ou là, parce que depuis ce matin, il est en l'air et je vois personne s'en occuper. Alors oui, dans tous les cas, il faut être télépilote de drone pour utiliser un système et avoir les qualifications adéquates en fonction de l'environnement dans lequel on évolue, que ce soit en milieu périurbain ou en milieu urbain. On a Jean-Charles qui est en phase de télépilotage, si on peut dire, mais c'est un système qui est vraiment dédié à l'opérationnel pour les opérations de renseignement, d'observation et de surveillance. Et donc du coup, l'opérateur se focalise sur sa mission d'observation et non pas sur sa mission de télépilotage. D'accord. Une station filaire avec son module, il faut compter à peu près 25 000 euros pour la safety et à peu près 15 000 euros pour la lighty. Rémi de la botte, donc je vais pouvoir commencer les démonstrations de drones que l'on va faire pour la gamme DJI pour commencer la journée. Donc aujourd'hui pour ma part, chez DJI, on va vous présenter donc la gamme liée à l'inspection et à la sécurité également. Donc notamment le M30T qui se trouve juste un peu plus loin. Donc c'est un drone qui est vraiment typé pour de l'inspection, purement pour aller inspecter donc sur le spectre visible et invisible. Sur des caméras qui sont vraiment élevées très fortement jusqu'à du 200 fois par exemple, équipées de la recommande RC+, donc une recommande qui est très grande, permettant de pouvoir avoir un écran qui est plus lisible que tous les drones qu'on va avoir sur toute la gamme, notamment les plus petits. Vous avez donc trois caméras, une caméra grand angle que l'on voit ici directement sur l'écran, une caméra zoom qui permet de pouvoir zoomer très fortement sur une zone donnée, et une caméra infrarouge qui vous permet de pouvoir passer sur le spectre invisible et voir donc du coup tout ce qui va être zone chaude. L'avantage de ce drone, c'est qu'on peut également faire tout ce qui est ce qu'on appelle l'écran en side by side. Donc d'un côté le spectre visible et de l'autre côté le spectre invisible, ce qui va pouvoir se repérer plus facilement lorsqu'on est en vol dans l'espace. Et l'avantage que vous avez sur ce modèle là, c'est qu'on est sur ce qu'on appelle la technologie hot swapping, permettant de pouvoir changer les batteries très rapidement. C'est-à-dire que vous allez poser le drone à l'endroit où vous avez besoin lorsque vous êtes en batterie faible,
vous allez donc changer les batteries l'une après les autres de façon à ne jamais éteindre le drone lorsque vous êtes en opération, toujours dans le but de pouvoir voler le plus longtemps possible en milieu opérationnel associé à celle-ci. C'est la hauteur de RTH, enfin mission Return to Home, et en fait, là, je vais pouvoir lancer la mission. Il prend les dernières photos, là, il est en train de faire son RTH. Donc, on avait paramétré une hauteur de RTH à 50 mètres, c'est pour ça qu'il est en train de remonter. Je suis responsable R&D chez Hexadrone, où on développe le Tundra. Donc, pour développer sur ce drone, donc c'est un porteur qu'on va dire universel, donc qui permet d'emporter n'importe quel type de charge utile. Donc, on s'est basé sur un corps commun à différentes configurations et qui est modulaire, avec des bras et des hélices 28 pouces. On a des configurations avec des bras plus courts et des bras plus longs. Donc cette configuration nous permet d'emmener 5 kg de charge utile pendant une demi-heure et elle vole une heure à vide. Les plus petits bras permettent d'emporter 3 kg. Ici par exemple on a une configuration avec une boule optronique, donc avec une voie jour et un zoom x30, une caméra thermique et un télémètre laser qui fait 1,3 kg et on vole environ 50 minutes avec. Et la force du Tundra, donc comme je disais, c'est sa modularité. Donc la batterie, on peut très bien la mettre dessous, inverser la charge utile et la batterie. En fait, la plaque qu'on voit ici est présente dessus et dessous. Donc on a juste à inverser la charge utile et la batterie. On peut être en configuration batterie ou captif aussi, on peut travailler avec Alistair. Ensuite, on intègre différents modules autour du drone. Donc on a des emplacements prédéfinis avec des connectiques, derrière, qui permettent de mettre par exemple un module de suivi de terrain, un crochet de largage, tout ce qu'on veut. Donc là, tel que le module que tu as dans la main, tu as tout ce qui est carte de vol, les antennes, ouais. Tout ça, c'est intégré Là, j'ai la radiocommande, carte de vol, l'ordinateur, okay. Le compagnon computer. C'est une config modifiée parce qu'il y a un parachute en plus. Ouais. Mais oui, j'ai deux GPS d'origine. Donc, c'est des GPS F9P qui permettent de s'abstenir des calibrations compas. Donc, c'est un gros point qui, quand on fait des grands déplacements, ça permet d'être opérationnel tout de suite. On a la prise d'alimentation, la caméra FPV. Et on a surtout intégré le coupe-circuit d'origine avec sa clé de sécurité. Donc en fait, c'est le couteau suisse, on va dire, du drone. C'est-à-dire qu'on a vraiment une plateforme commune et on peut lui attribuer n'importe quel payload, n'importe quel C'est ça. Usage. Si on repart de l'histoire d'Hexadrone, les premiers drones qu'on faisait, c'était des drones sur mesure pour un usage demandé par un client. Et à force, on s'est concentré sur un porteur unique, capable de tout faire, et modulaire. Et en fait, on l'appelle le drone porte-outil, finalement. Et en fait, le module qu'on a créé, le standard qu'on a créé, donc qu'on appelle le TR-Lock, donc c'est une interface mécanique et électrique entre le drone et l'extérieur, et la charge utile. La grosse différence avec la première version, c'est que le client n'a plus à accéder à l'intérieur de la machine pour intégrer une charge utile ou un module. Avant, le V1 était configurable, mais il fallait vraiment s'y connaître et être intégrateur, et aller bricoler dans la machine, alors que là, tout se fait en extérieur, et on peut intégrer vraiment tout type de charge utile. Ici, on fait du vol autonome avec UAVIA, des caméras très haute résolution avec Phase One pour l'inspection, des caméras d'inspection et de photogrammétrie avec du thermique. Ça, c'est pour montrer le cas d'usage d'un électroaimant. Par exemple, on va aller poser un rover dans une zone qui va faire sa mission et on reviendra le chercher 2 heures après. Là, pour l'agriculture, on fait du largage de trichogramme dans les champs de maïs. C'est vraiment très varié. On bosse avec des centres de recherche qui intègrent des antennes, des radars. On a vraiment tout type de clients. D'accord. Et maintenant, le prix ? Le prix, on est à 17 500 euros, sans charge utile, et par contre avec sa valise de transport. Je représente PixKD, la marque de logiciels de photogrammétrie suisse. Et donc, on présente les logiciels et même le hardware aujourd'hui. Donc, on est assez connu dans le domaine du drone avec le logiciel PixKD Mapper.
Mais depuis quelques années, on travaille aussi sur des nouveaux logiciels qui sont plus ciblés sur certaines tâches et activités, notamment Matic et Survey pour les géomètres, on a React pour les pompiers qui sont venus aujourd'hui, Cloud pour du traitement en cloud, d'accord, pour éviter de solliciter un PC et de faire les calculs plus simplement et automatiquement. On a aussi des produits comme celui-ci, donc ça qui vient, c'est très complémentaire au drone. Donc ça va permettre de, je vais vous montrer, on peut accrocher son téléphone et ça va permettre de faire de la photogrammétrie par téléphone. Mmh. Et donc c'est très complémentaire au drone dans le sens où on va pouvoir faire par exemple la photogrammétrie d'une toiture, des toitures, des parties hautes d'un bâtiment avec un drone. Et derrière on va pouvoir aussi faire la photogrammétrie de la partie basse des intérieurs avec ce système là qui s'appelle le Vidoc et l'application qui s'appelle PixCAD Decatch. En plus de ça, on va pouvoir aussi s'en servir comme un GPS classique et relever des points qui vont servir de points de calage, les fameux GCP en photogrammétrie. Donc tous vos logiciels ne sont pas limités à un certain type de drone, à une certaine marque de drone. Tout le monde aujourd'hui, peut... il y a des optimisations qui sont faites sur les principaux drones du marché, Parrot, DJI, même Hotel ou autre. Mais on peut utiliser n'importe quelle caméra, donc même avec un Sony comme celui-ci, ce qu'on veut. Ça va, on va pouvoir faire le traitement, ça traite de l'image. D'ailleurs, on a aussi un logiciel qui s'appelle PixCAD Fields, utilisable beaucoup par les, dans le monde de l'agriculture, utilisable dans le monde de l'agriculture, et qui lui va même pouvoir exploiter, aller télécharger directement les images satellites de Sentinel, et pour traiter ces images satellites directement dans le logiciel. D'accord. Certes avec une précision moindre que le drone, et c'est là où le drone devient intéressant, c'est quand on veut rentrer plus dans le détail, on va pouvoir utiliser le drone sur un champ sur lequel on aura pu détecter des problématiques directement depuis les images satellites. Donc concrètement, en fait, traitement de l'image, c'est ça. Vous avez une solution pour quasiment toutes les applications bien spécifiques. C'est ça. Damien Percheron, et je représente la société Enlabs, et on propose la solution Tiki, qui se décompose en une caméra, enfin on a deux caméras, mais on va dire une caméra qui fait de la prise de vue timelapse, et une plateforme cloud, où on va venir récupérer tout le contenu de ce qui est pris par la caméra, et ensuite générer des vidéos, des animations, et également faire de l'analyse de données, pour pouvoir en tirer des enseignements, sachant que c'est principalement utilisé sur des chantiers de construction. En fait, on est là parce qu'on est une offre complémentaire au drone. Un pilote de drone va faire effectivement des prises de vue aériennes et puis ça va être sur une journée, deux journées, trois journées. Nous, l'objectif, c'est comme c'est un produit de suivi long terme, c'est une caméra qui est autonome en énergie, elle est solaire, elle est connectée en 4G ou en Wi-Fi et on a aussi deux objectifs pour une vue à 220 degrés avec une résolution de 6K. Donc en gros, on pose la caméra au début du projet, le projet dure 6 mois, 12 mois, 24 mois. Elle reste là-haut, elle n'est pas branchée puisqu'on a le panneau solaire et on récupère toutes les données en 4G. Ça, c'était plus pour la partie communication. Et après aussi, aujourd'hui, on a ajouté une nouvelle partie logicielle qui est concentrée sur l'analyse de données et avec des outils d'intelligence artificielle où on va faire de la détection dans les images, détection de personnes, détection de véhicules, détection d'engins de construction. Donc on a une carte SD 128, 256, 512, ça peut monter jusqu'à 512 gigas. Et après, on peut décider soit de les stocker en local sur la carte, soit de les exporter dans le cloud et après de les effacer. Du coup, il y a une carte SIM aussi ou... Aussi, comme... exactement. Okay. Carte SIM, il faut un et contrat data. Et après, c'est un abonnement pour le cloud Pour le cloud, il y a un abonnement mensuel ou annuel en fonction des besoins. D'accord. La plupart des projets sont des projets long terme. Donc en général, les clients prennent en général un abonnement 12 mois pour commencer. Et après, on peut compléter avec des abonnements mensuels s'il y a besoin pour faire plus long. Et niveau budget, on est à 990€ hors taxe sur la Tiki 3. On est à 1500€ sur la Tiki 3 Pro Plus et les abonnements commencent à 420€ par an sur la partie création. Et 1100, on vient de le lancer ce mois-ci, le nouveau, il y a reporting sur l'analyse de données. On est à 1119 ou 1150 sur la partie reporting. Ok. Annuel. Tout ça, on peut le retrouver sur un site internet ? Enlabs.io, tout est disponible là-dessus, ou chez Studio Sport. Studio Sport est notre distributeur sur la France. Donc dans les deux cas, vous aurez toutes les informations et le pricing sur ce site-là, sur ces deux sites-là. Merci. Avec plaisir. Donc
voilà, donc nous on est de l'air, ça fait 12 ans qu'on produit des drones à voilure fixe en France, à Toulouse, donc directement dans les locaux de notre entreprise. On fait tout de A à Z, que ce soit sur le hardware, la conception de la machine. Donc c'est un secteur assez particulier pour les drones, dans le sens où on ne fait pas de vol stationnaire. Nous on a des drones qui sont vraiment dédiés à faire de la longue endurance et de la longue élongation, donc de l'inspection sur des très grandes surfaces. Donc là on a l'UX11 sous les yeux, qui est vraiment le drone idéal pour faire de la cartographie sur des longues surfaces de manière rapide et précise. Donc avec un workflow très très simple, c'est vraiment fait pour capter de la donnée de qualité, donc des images de qualité. On a une caméra 21 mégapixels avec une focus de 12 mm. Qui est dessous, c'est ça? Ouais, c'est ça exactement. Okay. La caméra, c'est une global shutter. Et donc voilà, on arrive à avoir un GSD d'un centimètre, donc en vue de pouvoir vraiment réaliser avoir des plans très précis. À une vitesse, donc environ 50-55 km/h. Et du coup, de pouvoir faire de l'acquisition de données sur de la très très grande surface rapidement et de pouvoir générer des plans également avec des data, avec des photos de qualité. Voilà, donc aussi une info importante à noter sur ce drone-là, c'est pour ça que je l'ai ramené aujourd'hui, c'est que c'est le premier drone qui a bénéficié du marquage C6 en Europe. Donc le marquage C6, c'est une classification de drone qui va permettre donc au drone marqué C6 de voler donc sur les scénarios STS-02, qui sont des scénarios de vol définis aujourd'hui par l'EASA. Et donc c'est le premier drone en Europe à avoir cette certification-là. Donc alors, pour pouvoir opérer du vol bévélos entre 1 et 2 km de portée, donc en hors-vue. Et on l'espère bientôt plus loin aussi en Europe. Donc c'est des drones qui sont robustes, qui sont fiables, qui sont adaptés au terrain d'opération militaire. Ça, c'est quand même important de le notifier. Également, pour tout ce qui va être inspection de lignes électriques. Donc voilà, on a déjà travaillé avec Enedis, avec RTE, avec Enel. On travaille aussi avec Altamétrice sur tout ce qui va être l'inspection de voies ferrées avec le DT-26 équipé d'un LIDAR. Donc ça, c'est pour les marchés civils. Également beaucoup avec l'armée. On espère aussi bientôt avec les pompiers parce qu'on a une version thermique de ce drone-là qui du coup permet également de repérer les points chauds. Et donc ce qui est super avec ce drone-là, c'est qu'on va pouvoir le mettre en hippodrome. Donc vu qu'il vole maintenant 1h20 avec la nouvelle génération de batterie, et du coup avec le thermique, il va vraiment littéralement pouvoir capter en fait l'évolution du front de feu par rapport au vent, donc le point le plus chaud du feu, en mettant le drone en fait au-dessus du feu, et donner, en fait, permettre en fait de donner des indications aux unités au sol des pompiers pour leur dire comment le feu évolue et comment le feu va évoluer. Pour préparer la mission, il y a un logiciel qui s'appelle Delair Flight Deck, donc DFD Pro, qui est pareil, un logiciel qui a été optimisé en fait pour pouvoir préparer sa mission le plus simplement, donc pour que ça soit également aussi accessible pour tout type d'acteurs. Donc là, on n'a juste pas pu faire la démo aujourd'hui parce qu'il y a un petit peu trop de vent. Voilà, c'est ça. La limite, on en parlait tout à l'heure. La limite, voilà, c'est 45 km/h de rafale en l'air. Ok. Donc ça va, il y a quand même de la marge de manœuvre. Et après, en hauteur, on a des limites ou pas en termes de hauteur, c'est la hauteur en France, c'est 120, 120 mètres. Donc lui, techniquement, il peut voler à 120 mètres et donc en S2, à plusieurs kilomètres. C'est ça, exactement. Ah, il peut faire 30 km, aller 30 km autour, voler 1h20. Alors voilà, c'est la fin de cette journée à Bot. Donc pas mal de matériel présenté, des démonstrations, une plateforme où on a vraiment la place et vraiment un espace super intéressant pour réaliser ce genre d'événement. Donc j'espère que ces petites interviews vous auront plu et que ça vous a donné un petit aperçu de cette journée-là. Donc il y avait des profils différents, j'ai rencontré des gendarmes, des pompiers, des télépilotes plutôt orientés audiovisuel ou alors sur des missions très spécifiques sur de l'inspection. N'hésitez pas à consulter les dates sur le site de Abbott sur les prochains événements. Ça peut toujours être intéressant pour choisir, pour voir du matériel et éventuellement donc se décider et pouvoir discuter avec des professionnels qui utilisent ce matériel. Donc je vous mets les dates des prochains événements en description. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao !